inaugure le Fab Lab mobile, le premier Fab Lab mobile d'Orange, lancé par Orange, soutenu par la Fondation Orange. C'est plus tard dans la journée, il y aura l'inauguration d'un Fab Lab à Bebedzira, ce qui ferait le quatrième Fab Lab lancé par la Fondation Orange et Orange Tunisie dans notre pays. Cela démontre, comme je l'ai rappelé d'ailleurs il y a quelques semaines lors de l'Orange Framework Challenge, la volonté et la dimension sociale qu'a cette entreprise en Tunisie. Et donc, c'est devenu inscrit, et je pense que vous-même qui nous suivez depuis quelques temps, vous avez constaté que c'est devenu inscrit réellement dans l'ADN de cette entreprise, d'avoir cette volonté, cette stratégie de faire du RSE une vraie composante de l'action de cette entreprise. Je voudrais, avant de donner la parole à Thierry Nier, qui certainement donnera plus de détails sur toutes ces opérations, insister sur le fait que tout cela n'aurait pas été possible sans évidemment les équipes d'Orange Tunisie, mais surtout sans l'appui de la Fondation Orange et sans l'appui aussi personnel de Mme Christine Albanel, qui nous accompagne depuis maintenant 2011, où elle a fait ses premières visites en Tunisie dans ce contexte-là, et qui poursuit aujourd'hui cette relation qui se renforce d'année en année. Donc je vous remercie tous d'être parmi nous pour partager cet événement. Et je donne la parole à M. Thierry Millet. Merci.